Alors, bienvenue à cette séance du Conseil web diffusé du mois d'avril 2020. Le mois dernier, vous étiez plus d'une centaine à suivre la séance du Conseil. Vous êtes sûrement encore plus ce soir. Alors, bienvenue. Welcome, everybody, to this April Town Council webcast meeting. I would like to start by saying that while we hold this meeting, our thoughts are with our neighbors and friends of Nova Scotia, who have been through an unspeakable and terrible tragedy in the last hours. Our deepest condolence to the family of the victims. Cette tragédie en Nouvelle-Écosse s'ajoute au moment difficile que nous vivons ici aussi actuellement, chacun à notre façon, chacun dans nos propres réalités. Ce soir, je vous parle directement du Salon Élisabeth, notre salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Je n'aurais jamais cru me retrouver assis seul dans cette salle à présider une séance de conseil municipal. Situation complètement impensable il y a à peine 2 mois. Mais l'administration de la ville doit se poursuivre, ainsi que sa vie démocratique. Et je tiens à vous rassurer, je ne suis pas seul. Les autres membres du conseil et des membres de la direction de la ville participent à cette séance et je vais vous les présenter dans quelques minutes. It is very strange to be sitting alone tonight in our beloved Elizabeth Room at City Hall. But let me reassure you, I am not alone on this town council meeting webcast. Fellow councillors are with us, and I will have the privilege to present them to you in a few minutes. Mais avant, j'aimerais revenir sur la crise du COVID-19 et ce que la ville a posé comme geste afin de respecter, de faire respecter les consignes de la santé publique, d'assurer à nos employés la sécurité qu'ils méritent et d'aider nos résidents et commerçants à passer au travers de la crise. With regards to the virus crisis, for the last 6 weeks now, the town has set in motion a series of exceptional measures. As most of you already know, the town has closed all its buildings and departments, retaining only what are considered essential services. We have sent home the vast majority of our employees so they can comply with the isolation requirement, and most of them are now teleworking. Still to comply with health department requirement, the town has closed most of its recreation facility and kids' playground, and public security and the police are reminding citizens that social distancing is an obligation. Depuis 6 semaines, la ville de Mont-Royal déploie une série de mesures tout à fait exceptionnelles. Comme je disais, la ville a fermé tous ses bâtiments, tous ses départements, ses installations récréatives et ses aires de jeux pour enfants, ne conservant que les espaces verts et ce qui est considéré comme des services essentiels. Nous avons renvoyé chez eux la très grande majorité de nos employés afin qu'ils observent eux aussi les consignes d'isolement. La plupart fonctionnent maintenant en télétravail. We have also announced a series of financial measures aimed at reducing the tax burden on residents, businesses and companies. Example, the second payment of Mount Royal property taxes initially due on May 26, is being postponed until June 30, 2020. We have also announced a temporary suspensions of interest rates. By adopting these measures, the town hopes to ease the tax burden on its taxpayers in a time of uncertainty. La ville a également renforcé ses services destinés à nos aînés. Nous soutenons encore plus activement le travail et les services de certains groupes communautaires comme la Popote Roulante et le Centre de bénévolat, en plus de veiller au bon fonctionnement de notre appel matinal aux aînés. Ce soir, la Ville posera un geste supplémentaire en faisant un don de 30 000 $ à des organismes œuvrant dans le domaine de l'insécurité alimentaire, notamment l'organisme Multicaf qui travaille avec nous à Mont-Royal. C'est sans gaieté que nous avons annoncé l'annulation des activités et services récréatifs prévus pour le printemps. Aucune décision n'a encore été prise en ce qui a trait aux activités de l'été, notamment les populaires camps de jour. Nous prendrons cette décision en mai. On le sait, nous vivons une crise sans précédent dans l'histoire récente du Québec. Il faut la prendre au sérieux et suivre rigoureusement les recommandations et directives de la santé publique. Nous invitons donc nos résidents à rester chez eux, à éviter les rencontres, à éviter tout regroupement, et à observer la distanciation physique s'il faut absolument sortir de chez soi. Cette crise n'est pas pour autant un frein au projet porté par la Ville, que ce soit la construction du nouveau centre sportif, l'arrivée des nouvelles gares du REM, la réalisation de l'ambitieux projet Royal Mount dans la zone industrielle
ou l'apparition de la nouvelle place citoyenne en plein cœur du centre-ville, ces projets vont suivre leur cours. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir et je vais vous présenter les participants à cette séance. And here are the participants at this webcast town meeting. So from our district one, Joseph Daoura. District 2, Minziam Letty. District 3, Madame Erin Kennedy. District 4, we have John Miller. Du district 5, Madame Michelle Setlaqui. Du district 6, Monsieur Jonathan Lang. We have also with us the town manager, Madame Eva Couch. Et finalement, le greffier de la ville, Maître Alexandre Verdier. So let's start with tonight's meeting. Please bear with us. This is a first for all of us. Soyez patients, c'est une première. Et à tous et à toutes qui nous suivez en web diffusion, bonne écoute et bonne séance du conseil. Merci. Alors maintenant, je demande l'adoption de l'ordre du jour de la soirée. Madame Letty? Oui. Merci, Monsieur le Maire. I propose to adopt the agenda of the meeting of the April 20th, 2020. J'appuie la résolution. Parfait. Je demande le vote pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, merci. L'ordre du jour est adopté. Nous sommes donc maintenant au point suivant, qui est la période de questions. Donc, vous savez, il y a une période de questions. Les citoyens étaient invités à poser leurs questions via des courriels. Alors, je comprends qu'on en a reçu 3 et je vais laisser Maître Verdi nous les lire. Donc, we received a question from Mrs. Christina de Cruz regarding the bus 165, but the question was incomplete. Monsieur le maire, voulez-vous que je les lise au complet ou vous voulez répondre une à la fois? Non, on va les faire une après l'autre. OK. Donc, nous avons reçu également 2 questions de Mme Barbara Lapointe. Donc, la première, est-ce que les élus tiendront une séance pour le dépôt du rapport financier 2019 et quand pourrons-nous consulter ce rapport financier? Deuxième question, le feu pour piétons au coin du chemin Rockland et Jean Talon est déplacé et donc mal visible pour les piétons qui veulent traverser Rockland d'est en ouest. Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'ajuster? Merci beaucoup. Donc, en réponse à la question de Mme Samantha Lapointe de la rue d'Auby, effectivement, les états financiers sont prévus au dépôt pour le prochain conseil municipal alors, qui va avoir lieu le 25 mai. Alors, ils deviendront publics à ce moment-là. Votre deuxième question concernant les feux de piétons, bien, écoutez, merci de l'information. Nous allons les transmettre. Ça a déjà été fait cet après-midi. Nous avons transmis l'info à nos gens de travaux publics pour voir s'il y a réparation ou pas. Et donc, finalement, nous avons une question qui provient de Mme Louise Charbonneau, qui va comme suit. Compte tenu de la période que nous traversons, il me semble primordial de faire respecter les consignes dans l'allée centrale du parc Connaught. Il y a de plus en plus de marcheurs, souvent des aînés, qui doivent se frayer un chemin à côté des vélos et des gens qui promènent leurs chiens. Pourtant, le pictogramme à l'entrée du parc indique bien « pas de vélo, on doit marcher à côté et pas de chien ». On me dit que l'on tolère les gens qui traversent avec leurs chiens en laisse sans s'arrêter, mais un chien en laisse et son maître prennent déjà la moitié de l'aile principale. Merci de soulever ce point avec la sécurité publique. Alors, merci beaucoup, Mme Baillargeon, pour cette question ou ce commentaire. Effectivement, vous le savez, on vit une période assez particulière en termes de mouvement, de mobilité dans les parcs. On essaie de se tenir un peu plus loin que l'habitude dans tout le monde. Et effectivement, les vélos sont interdits dans le parc Connaught, ainsi que les chiens. Alors, on va passer le mot à la sécurité publique, mais il faut que tout le monde... C'est une période vraiment particulière et les gens doivent essayer de s'ajuster à ça, mais on vous remercie, je vais passer le mot à la sécurité publique. Alors, je comprends donc que ça met fin à la période de questions, Maître Verdi? Exact. Donc, nous sommes maintenant au point suivant, qui est le point 4, l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. So, adopting of minutes of the March meeting. Madame Letty. Merci.
Merci, Monsieur le maire. I propose d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mars 2020 du Conseil municipal. Parfait. J'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la résolution. Parfait. Donc, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes adoptés. Donc, nous sommes maintenant au point 5, le dépôt des documents. Et pour ça, je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui, donc, ce soir, nous déposons devant le Conseil les documents suivants. D'abord, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des commandes de moins de 25 000 $ la liste des commandes de moins de 10 000 $ la liste des chèques et des dépôts directs, les permis et certificats émis au courant du mois de mars, et finalement, la liste des commandes de moins de 50 000 $ Parfait. Merci beaucoup, Maître Verdi. So now it's item number 6, and it's regarding the donation from TMR to Centraide of Greater Montreal and Multicaf. So in the context of the actual crisis, so I'm going to ask Madame Sitlakwe. Oui, bonsoir. Donc, la crise mondiale engendrée par la pandémie de la COVID-19 a des impacts sur l'ensemble de notre société. L'état d'urgence a d'ailleurs été déclaré et renouvelé sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal depuis la fin du mois de mars dernier. Nous constatons avec beaucoup de tristesse que trop de gens peinent actuellement à subvenir à leurs besoins de base, notamment l'alimentation. Durant cette période difficile, nous croyons qu'il est important de poser des gestes pour protéger non seulement nos propres résidents, mais plus largement toute la population isolée et vulnérable du Grand Montréal, qu'il l'est encore plus depuis l'implantation des mesures de confinement. Face à cette situation, le conseil municipal souhaite que la Ville, à l'instar d'autres villes et arrondissements, fasse un don à des organismes venant en aide à des personnes durement affectées par la crise. Après discussion, nous avons arrêté notre choix sur les organismes suivants, Centraide du Grand Montréal et la cafétéria communautaire Multicaf, un organisme du réseau Centraide situé dans le quartier Côte-des-Neiges. Il a été décidé que chacun de ces organismes recevrait la somme de 15 000 $ In the case of Centraide, the $15,000 donation will be made specifically to the COVID-19 Emergency Fund, recently launched by Centraide. This fund enabled Centraide to quickly implement measures to help isolated and vulnerable people in the Greater Montreal region. We are very proud that TMR will contribute to this emergency fund, which supports, as a priority, both local and regional resources that meet basic needs, such as food assistance. The fund also reinforces listening support and referral services. En raison des liens particuliers qui unissent notre ville, Mont-Royal, à l'organisme Multicaf, notamment sa proximité physique et le soutien qu'il offre en renfort à certains de nos résidents ici même à Ville-Mont-Royal, particulièrement ces jours-ci, nous souhaitons donner l'autre montant de 15 000 $ directement à cet organisme. Je profite de l'occasion pour saluer tous les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied depuis des semaines au sein des différents organismes communautaires et je les remercie pour leur dévouement. Nous sommes fiers à Ville-Mont-Royal de contribuer à l'effort collectif par le biais de ces dons totalisant 30 000 $ So whereas TMR wants to offer its support to those affected by the COVID-19 crisis, I move to authorize a donation of $15,000 to the COVID-19 Emergency Fund set up by Centraide of Greater Montreal, to authorize a donation of $50,000 to Multicaf, and to encourage citizens to donate to organizations of their choice. J'appuie la proposition. Monsieur le maire, on vous entend pas. OK, pardon. Vous voyez, on va s'habituer, on va s'habituer. Donc, je disais, proposé par Mme Sitlakwe, appuyé par M. Lang, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point suivant, ratification des débourses. So, item number 7, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer, de prouver les débourses visant la période 1er mars au 31 mars 2020. Payroll, $1,559,264. Suppliers and other payments, $1,273,983. CMM,
$392,586 insurance, $120,333 financing costs, $199,185 principal reimbursements for long-term debt, $2,396,200 for a total of $5,941,551. And currently in the bank, we have $44,126,494, earning about 2.5%. I second the motion. Thank you. Je demande le vote. Merci. Item number 8 is regarding trees. So I'm going to ask Madame Sitlakwi. Oui, donc la division des travaux publics procède annuellement au suivi des arbres récemment plantés. Ceci consiste à apporter les soins de base nécessaires pendant les premières années de croissance afin de les aider à s'adapter à leur nouveau milieu et leur donner de bonnes conditions de croissance. Afin de réaliser ces travaux, la Ville fait appel à des compagnies spécialisées dans la fertilisation et la correction des anomalies de ces nouveaux arbres. Un contrat d'une durée de 1 an a été octroyé pour la saison 2019, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 années subséquentes, soit 2020 et 2021. La première année du contrat, l'an dernier, a été réalisée à la satisfaction de la Ville, donc il est souhaitable d'exercer l'option de renouvellement pour la saison 2020. I therefore move to authorize an expense for the amount of $88,375, taxes included, in 2020 for the fertilization and correction of irregularities in trees along the side of streets and in parks and green spaces, which includes, as needed, all accessory costs, to award the renewal of the contract C-2019-25 to Les Entreprises Daniel Robert, Inc., to undertake these works with the unit prices submitted for a total amount of $84,166.12, taxes included, for the year 2020, with renewal option at the town's discretion for the year 2021, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2020 operating budget. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, c'est adopté. Le point suivant, les travaux de fauchage et d'entretien des dépôts à neige, parce qu'il y en a deux. Madame Kennedy. Oui. Alors, la Ville est propriétaire de plusieurs endroits publics non aménagés et de 2 dépôts de neige usés. Difficile d'accès, ces endroits ne sont pas utilisés par la population. Afin de conserver un haut niveau d'entretien, la Ville effectue le fauchage des herbes longues dans ces différents endroits, le public et dépôts à neige, au cours de l'année, et on assure un entretien périodique. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 10 mars et on octroie à le plus bas soumissionnaire conforme. So I move to authorize an expense for the amount of $37,452.99, taxes included, in 2020 to execute the contract for the mowing of grass and snow dump maintenance, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Paysagiste M. Rossi, Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $37,452.99. In accordance with the tendering documents prepared for this contract. I second the resolution. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, le point suivant maintenant, le point 9, ça concerne donc le condensateur évaporatif de l'aréna. Alors, Monsieur Lang, s'il vous plaît. Thank you. So the present evaporative condenser was installed at the TMR Arena in 1996 when it was last renovated. It is nearing the end of its functional lifespan. In order to maintain proper functioning of the refrigeration system at the arena, the condenser should be replaced. The work consists of supplying all materials, labor, equipment, and supervision of the design and execution of the project. This is to be completed and functional before the existing condenser is dismantled and removed. In other words, installation is to be performed while the arena is in full operation.
Tendering process was launched in February 2020 with a bid weighing and evaluation system. Submitting companies were asked to supply two envelopes, one stating their company's qualifications and work experiences, and the second one with the actual bid. Five companies requested the tendering documents, however, only one submitted a bid. The offer was studied by a committee of experts, and this company met all the criteria. It is a company that has already performed work in the town to the town's satisfaction. Je propose alors d'autoriser une dépense de 810 396,48 taxes incluses dans le cadre des programmes triennaux d'immobilisation 2019 et 2020 pour le remplacement du condensateur évaporatif à l'aréna, conception et construction comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, de modifier le programme triennal d'immobilisation 2020 pour ce projet en augmentant le crédit budgétaire de 448 000 $ à 635 000 $, d'autoriser un emprunt de 217 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Simco Réfrigération Industrie Toronto Limitée, au prix soumis, soit 803 598,22 $, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. Merci beaucoup. J'appuie la proposition. Merci, appuyé par Mme Sitlacoui. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point suivant. Donc, le point 11 concernant les travaux de réfrigération au club de curling. Joseph Daoura. Oui, merci et bonsoir à tout le monde. Dans cet item, la ville de Mont-Royal a remplacé le système de réfrigération du club curling qui était utilisé comme réfrigérant primaire et qui datait de plus de 30 ans. Alors, ce système est désormais désuet et non disponible. Le système de remplacement actuel, il est d'un excellent choix technologique et qui a fait ses preuves au fil du temps. Des subventions pour tels travaux sont disponibles et la ville a obtenu la confirmation d'une aide financière suite à la demande déposée en l'été 2017. Mais pendant l'exécution du contrat, des imprévus sont survenus, notamment un retard dans la livraison de certains équipements essentiels au bon fonctionnement du nouveau système qui va être installé. Alors, de plus, la réparation d'infiltration d'eau de pluie à l'intérieur de la salle mécanique était nécessaire pour protéger l'équipement électronique nouvellement installé. Finalement, une modification du système de récupération de chaleur sont prévues et ont été réalisées en supplément à la demande du club pour augmenter davantage d'efficacité. Donc, pour tout ça, il y a eu des dépenses supplémentaires que, selon l'entente avec la ville et le club curling, c'est le club curling qui va assumer ces dépenses-là. Mais il faut autoriser ces dépenses-là par une résolution. Dans ce cadre de cette résolution, I move to authorize an additional expense in the amount of 15,000 tax included for the project name Travaux de réfrigération au club de curling, which includes as needed all accessory costs. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté. Point 12 maintenant, le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels concernant le remplacement des jeux d'eau au parc Mohawk. On se rappelle que la ville a tenu une consultation l'année dernière concernant la rénovation, la réfection du parc Mohawk, qui est notre deuxième plus important parc à Ville-Mont-Royal. Et un des aspects de cette rénovation-là concerne la mise à jour des jeux d'eau qui sont très, très populaires l'été au parc Mohawk. Alors, je vais laisser Mme Sitlacoui nous parler un peu du projet. Oui, donc la Ville désire recevoir des soumissions pour des services professionnels pour le remplacement des jeux d'eau au parc Mohawk. Ces jeux d'eau sont en fin de vie utile. Le parc et les jeux d'eau sont très sollicités et certains équipements sont même désuets. Ils doivent être modernisés et améliorés afin de rencontrer les besoins des résidents et les programmes de la Ville. Le mandat qui sera octroyé à une firme externe visera notamment les services de conception, design, proposition de mesures d'économie d'eau,
préparation d'un plan budgétaire, production de plans et devis pour soumission et construction, vérification des dessins d'atelier, la surveillance des travaux de construction, etc. Étant donné l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels à exercice exclusif, un système de pondération et d'évaluation des offres à deux enveloppes est obligatoire dans ce dossier. Le Conseil doit approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels d'ingénierie qui nous a été soumis. So whereas a contract for exclusive professional services for more than $25,000 is to be awarded, Council shall use a bid weighting and evaluating system. Whereas the town will use a bid weighting and evaluating system for awarding a contract for engineering professional services for the water games replacement at Mohawk Park, I therefore move to approve the bid weighting and evaluating system for engineering professional services for the water games replacement at Mohawk Park. Merci. J'appuie. Merci, M. Miller. Je demande le vote. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Mme Setlakoui pour le point suivant. Oui, donc il s'agit ici d'approuver le montant des honoraires supplémentaires qui sont dus aux architectes et ingénieurs qui sont impliqués depuis près de 2 ans maintenant dans le projet du nouveau centre sportif et communautaire. Afin de répondre à différents commentaires reçus au courant de l'année 2019, la Ville a demandé à ses professionnels externes de revoir l'architecture du bâtiment. Sans transformer radicalement la proposition initiale ni l'empreinte au sol, il a été jugé opportun de revoir certaines façades, afin notamment de bonifier généralement la fenestration, briser la volumétrie, surtout au niveau de la façade ouest, et dans l'ensemble, faire en sorte que l'apparence extérieure du bâtiment soit plus invitante, qu'elle s'intègre bien à l'environnement et qu'elle puisse bien vieillir au fil des futures décennies. Nous sommes très satisfaits et fiers du produit révisé et le feedback positif reçu des résidents est sans équivoque. Ces modifications ont nécessairement entraîné des coûts supplémentaires dans plusieurs disciplines. Architecture, structure, mécanique, génie civil et autres, ainsi que la coordination de ces disciplines. De plus, dans le cadre du référendum qui s'est soldé en février 2020, des esquisses supplémentaires, des images, des rendus, notamment des rendus 3D, ont été demandés aux professionnels afin de pouvoir permettre une meilleure visualisation du projet. Tous ces produits sont coûteux et sont inclus dans l'augmentation des honoraires qu'on approuve ce soir. Finalement, des coûts additionnels reliés à la conception et la planification de divers aspects du bâtiment sont aussi à payer. Schéma unifilaire des salles, réseau cellulaire, mur d'escalade, dalles chauffantes, etc. Les professionnels ont travaillé pendant plusieurs semaines afin de revoir les plans et préparer les documents supplémentaires. Les coûts associés à l'ensemble de ces travaux supplémentaires s'élèvent à $404,308.41 plus taxes. Tel que mentionné abondamment durant la campagne référendaire, le projet a évolué et a été bonifié au fil du temps depuis sa version initiale. Le processus d'élaboration des plans et devis pour un projet de cette envergure est laborieux et tous les efforts ont été investis en amont afin d'en arriver à des plans détaillés et exhaustifs. Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre de la hausse des honoraires et toujours se rappeler notre vision portée sur le long terme. L'échéancier relatif à la suite des choses, en particulier le lancement de l'appel d'offres pour la construction du centre, est évidemment affecté par la crise que nous vivons actuellement. Mais les professionnels complètent actuellement leur travail et nous vous tiendrons, bien entendu, au courant pour la suite des choses. Donc, dans ce contexte, I move to authorize an additional expenditure of $404,308.41 plus taxes to Poirier Fontaine Architectes, Riopel et Associés Architectes, for the preparation of plans and specifications for the construction of a new sports and community center, and to approve the financing of this expense by the accumulated surplus appropriated for the project, and to charge this expenditure as follows. So we will use the accumulated surplus. Voilà. I'll second the motion. Merci beaucoup, M. Lang. Je demande le vote. Merci, adopté. Merci beaucoup. Donc, le point suivant, maintenant, le point 14, c'est de l'achat regroupé
pour l'approvisionnement en sel de déglaçage pour l'hiver prochain. Monsieur Daoura. Oui, concernant cet item, c'est une pratique qui a été faite par la ville de Mont-Royal et les autres villes depuis bien longtemps. Alors, elle représente des bénéfices pour la ville parce qu'il y aura un achat regroupé avec des avantages, des bénéfices et surtout des prix qui seront réduits et que tout sera géré par la ville de Montréal. Alors, dans ce contexte, la résolution va être de la sorte. Whereas the town of Montreal has received a proposal from the ville de Montréal for the latter to prepare on its behalf and on behalf of several other interested municipalities a call for tender document for the group purchase of road salt, le sodium chloride. Whereas the town of Montreal wishes to be part of this group purchase to procure road salt, le sodium chloride, in the quantities it requires for its activity and in accordance with the rules and the call, and the call for tender documents. I move to confirm, as permitted by law, that the town of Montreal participate in its purchasing group managed by the Ville de Montréal for 4 years until April 30, 2024, and to mandate the Ville de Montréal to prepare tender documents on behalf of the town of Montreal and on behalf of the other interested municipalities to award group purchasing contracts for the sodium chloride needed for the activities of the municipality for the winters from 2020 till 2024 inclusively, and to confirm that and to award a signed copy of this resolution to the Ville de Montréal. Merci. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? J'appuie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Miller. Ça met fin à notre section contractuelle de l'agenda. Et nous sommes maintenant dans la section urbaniste. Habituellement, il y a plusieurs points. Oups. Monsieur le maire, on n'a juste pas passé au vote sur la dernière résolution. Ouais. Aha. Donc, je reviens à l'article, à l'item 14, le vote pour l'approvisionnement en sel de déglaçage. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, je disais, nous sommes maintenant au point urbaniste. Habituellement, il y a plusieurs points dans cette section-là parce que le CCU travaille. On sait qu'en raison de la crise actuelle, le CCU, est depuis déjà maintenant 5 semaines, 6 semaines, le CCU ne siège plus. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de décisions à prendre ce mois-ci. Pour ceux que ça intéresse, on travaille activement à repartir le CCU dans un format plus qui ressemble beaucoup à celui de ce conseil ce soir. Donc, on est en train de repartir le CCU sous forme de Zoom, sous forme d'appel conférence comme ça pour que les affaires de la ville puissent reprendre le plus rapidement possible. Alors, aux gens qui attendent leur permis, on travaille très fort à ce que tout revienne en place rapidement. Ceci étant dit, le point 15, une dérogation mineure qui vise une maison de l'avenue Kenaston, et je vais demander à Mme Kennedy de nous expliquer le dossier. Yes, so this is a request to legalize, in accordance with our minor variance bylaws, the existing left side setback at 5.21 feet for a garage addition that was actually built in 1953, where at the time the minimum side setback was supposed to be at 5.5 feet. And by today's minimum, it must be at 7.54 feet. So this is to legalize the setback. So, whereas the inspection services received an application for a minor variance from the owner of the property located at 54 Kenaston to legalize, in accordance with our bylaws, the existing left side setback at 1.59 meters, encroaching by 0.09 meters on the 1.68 meter minimum side setback of the required at the time of construction in 1953. And whereas the present request is necessary due to this 0.09 encroachment, and after due deliberation at the meeting held on February the 28th, the CCU recommended that the said application of the minor variance be accepted. I move to accept, in accordance with minor variance bylaw number 1312, to legalize the left side setback at 1.59 meters for the existing building located at 54 Kenaston Avenue. I second the motion.
Merci beaucoup. En temps normal, on doit laisser la parole aux gens, au public dans la salle. Comme j'ai dit, je suis tout seul ce soir, donc il n'y aura pas d'intervention de la salle dans la salle du conseil. Vu les circonstances, on va passer directement au vote. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant, donc nous entrons maintenant dans la section réglementation de l'agenda avec le point 16, Madame Kennedy. Yes, so I would just like to file the draft bylaw number 1417-1 to amend bylaw number 1417 concerning the municipal library with respect to fines and penalties, and I give notice of motion that it's going to be introduced for adoption at a future sitting. Merci. On peut passer au point suivant maintenant, qui est l'adoption du règlement, au point 17, donc l'adoption du règlement 1438. Monsieur Lang. Merci, Monsieur le maire. En conformité avec l'article 331 de la loi sur les cités et villes, la ville possède un règlement sur la régie interne du conseil. Les règles actuelles du règlement sont les suivantes. Une séance ordinaire du conseil comprend deux périodes de questions du public. La première période de questions est d'une durée de 30 minutes, a lieu au début de la séance et est limitée au sujet prévu à l'ordre du jour. La deuxième période de questions est d'une durée de 30 minutes, a lieu lorsque tous les sujets de l'ordre du jour sont traités et une question peut porter sur tout sujet d'intérêt public qui relève des compétences de la ville. Les membres du conseil ont exprimé le souhait que les questions posées lors de la première période puissent porter sur tout sujet d'intérêt public et non seulement sur les sujets prévus à l'ordre du jour. So with this in mind, I propose, whereas in accordance with section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1438-1 to amend bylaw number 1438, concerning the internal governance of council with respect to the first public question period was preceded by a filing and a notice motion given on March 23rd, 2020. I move to adopt bylaw number 1438-1 to amend bylaw number 1438 concerning the internal governance of council with respect to the first public question period. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point suivant, le point 18, Mr. Miller. Right. This bylaw concerns the delegation of powers to officers and employees. And in August 2019, a bylaw was changed to allow the Director General to enter into contracts relating to professional services with exclusive professions. That is engineers, lawyers, architects, et cetera, for contracts up to $50,000. Previously, it was $25,000. And to extend this delegation to all professional services, that's non-exclusive professions. So this includes things like telephones and IT, which is information, technology, and this kind of thing. Unfortunately, it negatively affected TMR service managers who had the power to award contracts of $10,000 or less. The bylaw tonight will allow the Director General to award both types of contracts for the amounts $1 to $50,000 and service managers to award professional service contracts for $1 to $10,000. So, whereas in accordance with section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw 1439-2 to amend bylaw 1439 concerning the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation of the town manager was preceded by a filing and notice of motion given on the 23rd of March,
2020, je propose d'adopter le règlement 1439-2 modifiant le règlement 1439 sur la délégation de pouvoir à fonctionnaires et employés en ce qu'il traite à la délégation de pouvoir de la directrice générale. Merci beaucoup. C'est appuyé par? That's it. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Madame Letty a déjà appuyé. Ah, parfait. Désolé, Madame Letty. Donc, merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes donc au point 19, le point suivant, qui est l'adoption encore du nouveau règlement concernant une nouvelle voie réservée sur le Code de l'Est. Et je vais laisser M. Jonathan Lang nous en parler. Thank you, Mayor Roy. So the SCM has requested from the town to extend the reserve bus and taxi lane on Côte de l'Est between Delmead and Côte de l'Est Circle to include the stretch between Dalton and Delmead and to include carpooling vehicles. The proposed reserve lane will now extend between Dalton Road and the Côte de l'Est Highway 40 Circle. Furthermore, on paper, and further east, the reserve lane on Côte de l'Est runs between Rockland Road and Lacadie, whereas in reality, it begins in front of Fleming Park and ends at Lacadie. It is suggested to modify the bylaw in order to reflect reality. Alors, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1384-40 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la voie réservée sur le chemin de la Côte de l'Est a été précédé d'un dépôt d'un avis de motion donné le 23 mars 2020. Je propose d'adopter le règlement numéro 1384-40 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la voie réservé sur le chemin de la Côte de l'Est. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Donc, adopté. Le point suivant et le dernier point dans la section réglementation, c'est l'adoption du règlement sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour le nouvel exercice financier. So, Mr. Miller, item number 20. Right. Because of COVID-19, AGLO pushed back the date for the TMR's second installment of our AGLO assessment. We therefore are allowing residents to delay their second installment of the tax bill from the 26th of May to the 25th of June in 2020. So I propose to adopt bylaw. Within the motion. I propose to adopt bylaw 1404-20-1 to amend the bylaw 1404-20 concerning taxation of the town of Mount Royal for the fiscal year 2020 with respect to the second installment and to the penalty associated with it. Merci. Madame Letty a déjà secondé, donc je demande le vote. Merci. Alors, nous sommes maintenant au point suivant qui est l'orientation pour le conseil d'agglomération. Alors, comme à chaque mois, je suis convoqué à participer à la séance du conseil d'agglomération pour représenter Mont-Royal et ses intérêts. Il y aura une séance d'agglomération ce jeudi. Évidemment, on va parler beaucoup des mesures d'urgence mises en place actuellement par l'agglomération de Montréal concernant la situation actuelle de la crise concernant le coronavirus. Pour pouvoir bien représenter Mont-Royal, j'ai besoin d'une orientation. Alors, je vais demander à Joseph Daoura de lire l'article. Comme à chaque fois dans nos séances de conseil, la résolution va être de la sorte. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the April 23, 2020, regular sitting of the Urban Agglomeration Council
and to discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the April 23rd, 2020 Agglomeration Council regular meeting, as well as all special meetings related to the crisis caused by COVID-19, in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mount Royal. Thank you. Merci beaucoup, je demande le vote. Parfait, merci. Nous sommes maintenant presque à la fin de l'agenda. Nous sommes maintenant au point affaires diverses, VARIA. Je vais faire un tour de table, voir si certains membres... En fait, je vais inviter les membres du conseil qui veulent prendre la parole à dire un petit mot. Je vais leur demander de lever la main et je vais les nommer à mesure ceux qui veulent parler. Jonathan, allez-y. Thank you. So, given the current situation we are in the town here, I'd just like to remind all citizens that the website for the town of Mount Royal, it holds a wealth of information. As you can well imagine, things are constantly changing and directives from the government, the provincial government, the federal government are constantly evolving. So I just want to remind all citizens to visit our website on a regular basis, and you'll see firsthand what's going on in the town and how that impacts us. If you want to receive notifications on what's going on, for instance, earlier this morning, a reminder about this particular council meeting was sent out. I invite you to register to the GoVilmo application. And that way you'll receive either a notification on your phone through a text message or an email. And again, you'll be made aware as things are evolving quite quickly. Please stay healthy and stay safe. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Lang. Monsieur Miller. Right. I just want to remind people, although the tax bills have been delayed, or the payment has been delayed, you can pay them. You can't get into the town hall at the moment, but you can pay them online, you can pay them by mail, or you can put your check in an envelope and bring it to the town hall, and there's a mailbox on the right-hand side of the front door where you can put your payment in the slot. So please don't forget, I know it's a new date, but we still have to pay the bills. Thank you, Mr. Miller. Madame Sitlakwi. Oui, mais j'ai simplement envie de vous dire de ne pas lâcher. C'est une situation très difficile que nous vivons, il faut se le dire, mais nous sommes tous ensemble et nous allons traverser cette épreuve. Et s'ajoute à cette pandémie, malheureusement, l'horrible tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse. Alors, je pense beaucoup aux résidents de cette belle province, et particulièrement les familles, les proches des victimes, évidemment. Bien ici, il faut continuer à respecter les consignes qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires et importantes. Et surtout, gardons espoir et restons en contact avec les autres. Et gardons espoir. Donc, les beaux jours reviendront, c'est certain. Et moi, j'ai bien hâte de vous revoir en personne et de voir notre belle ville revivre. On ne sait pas si les événements à grand déploiement, on ne sait pas quand ils vont pouvoir avoir lieu à nouveau, mais on a hâte de se côtoyer, on a hâte que la situation revienne à la normale. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daoura. Oui, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas beaucoup à ajouter ce que mes collègues ont bien expliqué et ont bien élaboré sur ce sujet-là. On passe par des moments difficiles. Et pour les moments exceptionnels, on prend des décisions parfois exceptionnelles, parfois dures, mais j'invite tous les gens, comme les collègues ont dit, de rester vraiment, vraiment vigilants, de suivre les consignes de la Santé publique Canada et la Santé publique provinciale. Et surtout, j'invite
les gens, parce que ce sont des moments où on reste à la maison, d'encourager nos commerces locaux. On a déjà ça sur nos websites, on a diffusé une liste des commerces, parce que le commerce, ça fait part de notre vie, ça fait part de notre mère quotidien, pour que ces commerces, vraiment, qui ont subi un grand préjudice durant cette période, dont ils n'ont aucune influence sur ça, de les encourager, d'acheter local et vraiment de rester en bonne et due forme. Merci et dans l'espoir de vous voir la prochaine fois à l'hôtel de ville. Merci et bonne soirée. Merci, merci Joseph. Est-ce que j'ai encore quelqu'un qui veut parler? Parfait, donc on va passer maintenant à la levée de la... Ah, Madame Minziam-Letti, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir. Je vous souhaite un bon courage durant cette période de confinement. Prenez soin de vous. Ensemble, nous tiendrons et j'ai la conviction que les jours meilleurs reviendront bientôt. Merci. Merci, Mme Letty. Puis c'est certain que les jours meilleurs sont devant nous, comme la météo, le beau temps devant nous, et c'est certain que la crise, on va tous passer à travers la tête haute. Alors, on arrive au point maintenant de la levée de la séance. Monsieur Miller. Oui, je propose de lever les séances. And I will second the motion. Et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, écoutez, je vous souhaite à tous, les résidents qui nous écoutent actuellement, on se revoit dans un mois pour la prochaine séance diffusée. Et au plaisir de communiquer avec vous par toutes les façons qu'on peut communiquer ensemble. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Stay safe.